ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres. À la bon sabon, pour monde qui gagne, pour monde qui toujours est créatif pour bon Dieu. Mais moun k'ap fè tèt di ak bon Diye, ap wè malè tombe sou yo. Amen. Proverbe 28, verset 14. Seigneur, nou dou mersi pou parol ou. Et nou mande tan pri béni parol sa. Et permet aske chak piti tou ki la va jwenn yon parol, parol ki pou edifye, parol ki pou libere, parole qui peut transformer et non va glorifier. C'est comme ça que nous prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. À la bon sabon pour monde qui toujours gain craintif pour bon Dieu. Mais monde qui a fait tête dit ak bon Dieu a pour malé tomber sur yo. Amen. Merci Seigneur. Frèm semyo, nou beni non Seigneur, nou di bon Dieu merci pou jou sa. Yon jou ke li menm li fikse, e li permèt ke nou kapab antre nan prezans li pou nou tan de voal. Pou nou kapab manje ansanm le pain de vi, nouritur ke le Seigneur prepare pou nanm nou, pou nou, afin ke nou kapab vive an bonne santé spirituelle. Et je dis à le Seigneur vient poser nos questions, le Seigneur vient faire nous connaître pour qui ça. Nous devons toujours bien craintif pour bon Dieu. Pour qui ça nous devons toujours bien craintif pour bon Dieu. Parole l'a dit à la bon ça bon pour monde qui toujours bien craintif pour bon Dieu. Maintenant, c'est la crainte de Dieu, c'est lié depuis commencement moi, n'a traité pour vous. Et nous dit, mon Dieu, merci pour tout enseignement que l'hypothèque pour nous déjà à travers serviteur, servante Lio. Nous bénissons. Et nous déjà connaît qui ça, bien craintif pour mon Dieu, yaye. Nous devons gagner. Nous devons gagner respect pour mon Dieu. Nous devons reconnaître que bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui pire passer toute bagaille, c'est lui-même qui pire grand passer toute bagaille, et nous devons soumettre nous à lui-même, nous devons soumettre nous à règne. C'est même genre, on petit ak parent, c'est même relation, c'est même genre, on timoun li gen relation avec parent. Eh bien aimé. Ti moun nan gen relation avec parent, eh bien li doué parent respect. Li doué parent obéissance. Li doué respecter parent. Eh bien c'est même genre, c'est même type de relation ça que nous gagnons avec papa nou, créateur nou, bon Dieu nou. Une relation petite avec papa. Donc bon Dieu, mes bien-aimés qui plein de grâce. Bon Dieu ça qui s'est remé et lui prouvé nous que lui s'est remé tout bon vrai. Lorsque lui ban nous Jésus et lui ban nous sans manquer en rien, lui ban nous en entier. Lui ban nous en entier afin que n'importe monde qui croit dans lui, eh bien l'a gagné la vie qui pas jamais finir. Mais voilà que bon Dieu ça qui remet, bon Dieu ça qui plein de grâce, et nous-mêmes nous entrer en rébellion contre lui-même. À travers grand-parents nous, premiers parents nous, eh bien nous entrer en rébellion et nous perdu crainte ça.
Il est capable même Jean tout juger nous. Donc la crainte de Dieu, mes bien-aimés, c'est de le révérer profondément, et cette crainte s'installe lorsque nous le connaissons en expérimentant sa présence et en voyant son œuvre dans notre vie. Ou pas cap dit ou gen craintif ou gen crainte pour bon Dieu, ou gen respect pour bon Dieu, et puis ou pas expérimenté bon Dieu pas dans la vie ou pas recevoir bon Dieu, ou pas faire rien, et puis ou dit ou gen crainte pour lui. Non, lorsque nous comprenons sainteté bon Dieu, lorsque nous arrivons à comprendre tout bon vrai mes bien-aimés, ça que nous relait impressionnante sainteté bon Dieu, eh bien, ou pas capable réagir l'autre gens face à sainteté, ou a réagir dans respect, ou a réagir dans crainte. Ou a gen craintif pour bon Dieu ça. Lorsque ou arrive comprendre sainteté bon Dieu, lorsque ou arrive comprendre que bon Dieu soit servi à les saints, bon Dieu soit servi à les purs, bon Dieu soit servi à eh bien les propres, et les mandés pour tout le monde qui a servi yo propre, pour tout le monde qui a servi yo gen respect pour lui, yo pas traité le tant qu'un panier, yo sac panier rad sale, yo pas traité le tant qu'un fatra. Faut yon gen respect pour lui, yon pas cracher sous lui ou respecter le. Et li tellement remè nous et li enseigne nous. Li mande nous yon bagay et li ban nous enseignement pour lui. Li ban nous enseignement pour nous capables toujours gen craintif pour lui. Parce que parole la pas vini comme ça, mes bien-aimés. Lorsque parole la dit ou à la bon sabon pour moun ki toujours gen craintif pour bon Dieu. À la bon sabon, des bénédictions pour ça. On nous garde. Yo parole que nous venons dans Job chapitre 28, le verset 28. Il dit, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Li di ou, gen craintif pour bon Dieu, c'est ça qui relè bon comprendre. La paix bon Dieu avec ou. Gen craintif pour bon Dieu, c'est ça qui relè bon comprendre. Vire do, bay ça qui mal, mais ça qui relè gen l'esprit. Alléluia. Ou ap kase tête ou chèche kon sa krele bon comprendre. Ou ap pralé tout gros livre, ou ap li nan tout gros livre pour qu'on sacrele. Alléluia. Sagesse pour qu'on sacrele. Bon comprendre? Eh ben meni. La Bible dit ou gè créatif pour bon Dieu, c'est ça qui relé bon comprendre. Lò vive nan respect pour bon Dieu, lò vive nan obéissance à bon Dieu, nan soumission à bon Dieu, mais sacrele bon comprendre. Et parole bon Dieu parle dans Psaume 111, 10, verset 10, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alléluia. Parole bon Dieu enseignez-nous pour nous toujours être créatifs pour bon Dieu, parce que le pavé nous fonctionne n'importe qui Jean. Et c'est ça que fait les vini, les enseignez-nous. L'autre parole yo, l'autre proverbe premier 7, il dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés ne méprisent, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Bien-aimé. Proverbe toujours, son véritable référence, son mine liée. Salomon pour l'exhorter nous, dans Proverbe 14, 27, il parle d'où la crainte de l'Éternel est une source de vie. Tendez bien, oui. Pour détourner des pièges de la mort. Donc, depuis que je suis sorti sur route ça, eh bien, je marche direct. Nan la mort. Piège m'a tombé là-dedans yo. M'a prend là-dedans yo. Mais pour m'pa prend là-dedans yo, faut que moi gen crainte, faut marcher dans la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte de l'Éternel est une source de vie. Et Salmi ça pral dit à tous les croyants, si gen un croyant qui attend de m'là,
Eh bien, il dit autant de sa parole l'a dit. Dans Psaume 36 verset 1, Libraldou, la parole impie du méchant est au fond de mon cœur, la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. La paix bon Dieu avec vous. Mais bien-aimé, crainte ça que bon Dieu m'a dit nous pour nous gagner. Hein? Parole ça qui dit que à la bon ça bon pour nous toujours être créatif pour bon Dieu. Toujours, continuellement ça, c'est important. Toujours être créatif ça, toujours ça important, mes bien-aimés. Créer ça, c'est mener nous pour nous vivre dans sainteté. Alléluia. Pour qui ça moi doit vivre? Pour qui ça moi doit toujours être créatif pour mon Dieu? C'est parce que créatif ça, c'est mener à vivre dans sainteté. C'est mener à vivre dans respect, li menem à vivre à marcher sous 13 mois pour me pas piler 14 mois. Li menem à vivre dans sanctification. C'est pas dans bouche pour m'a dit moi sanctifié. C'est pas dans bouche pour m'a dit oui m'a servi bon Dieu, c'est ouais pour yo well. Li fait pour le visible. Bouche moi pas besoin parler. Li fait pour le visible. Les premiers chrétiens, c'est pas bouche yo non qui te fait yo ouais à vivre. Tant qu'au chrétien, mais c'est ouais, yo te ouais. C'est pas radio qui te fait yo ouais ça. C'est pas rad qui te sou yo. C'est pas tenue yo te poté. Non, mais c'est ton bagay qui te identifié yo. C'est gens yo t'a vive et c'est païen qui te identifié yo comme chrétien. C'est pas chrétien pareil yo. C'est parce que yo t'a vive yon l'autre gens. C'est parce que yo t'a marché qui un gens qui était différent de l'autre moun yo. Et à Antioche. Yo di yo rele yo di ça yo c'est chrétien. Ça veut dire ça c'est monde qui pour Christ. Ça c'est monde qui semblait à Christ. Mais gon gens yo t'a vive qui fait ça. Yo t'a marché dans l'amour. Yo t'a marché dans l'amour. Yo t'a marché dans sainteté. Yo t'a marché, yo t'a vive dans la crainte de Dieu parce que premier bagage crainte mes bien-aimés, li menon à vivre dans la sainteté. À marcher sous 13 ou pour pas piler 14 ou. Et c'est ça qui fait toute différence là. La parole de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La paix bon Dieu avec vous. Ça fait parole la pral dit ou. Là prend Proverbe 23 le verset 10, les versets 17 et 18, li pral dou que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours toujours la crainte de l'Éternel car il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Alléluia. Mais bien-aimés, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Je pas capable de marcher dans la crainte de Dieu, je suis créatif pour mon Dieu, et puis quand il y a là, je remets, je le mal. Je danse collé avec mal. Tout le monde qui marche dans la crainte pour mon Dieu, tout le monde qui est créatif pour mon Dieu, il n'est pas capable de zamir mal. Yo pas capable de dormir sous même camion avec mal. Yo pas capable de faire moun méchanceté. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. C'est ça, bon Dieu, raï. Donc, lui voulait dire, mes bien-aimés, ou faites pour mettre bon Dieu avant toute bagaille. Dans action nous, dans tout ça n'a fait. Afin que nous pas péché. Lorsque bon Dieu prend première place dans la vie, c'est ça qui vient servir comme une balise. C'est ça qui vient mettre un blocage. L'arrivée devant mal là, l'arrivée devant péché là, bon Dieu qui dans la vie là, alléluia. Crête ça qu'on gagne pour bon Dieu là, respect ça qu'on gagne pour bon Dieu, et puis signal là a passé, ou a besoin de déclic là, l'a dit non ou pas capable là, ou pas capable poser action ça, ou pas capable dire parole ça, ou pas capable faire geste ça, alléluia, ou pas capable côté ça, quand on prend entrer là, pas capable entrer là, parce que là pas pour vous, à moun ça qu'on prend parler, à moun ça pas pour vous. Koto pral pile a, ou pas gedwa pile la. Geste son pral faire ou pas ka fel. Mo sa ko pral prononcer ou pas ka prononcer. Parce que pas n'importe moun. Ou son moun qui ge crainte pour bon Dieu. Ou son moun qui a vivre dans la sainteté. Ou a marcher dans sanctification. Ou jan ko doye. Ou pas capable n'importe qui jan. Lorsque mette bon Dieu en premier. Dans tout son affaire. Ou pas péché. Ou pas tomber mes bien-aimés. Parce que vin servir yon balise pour ou.
Proverbe 16, le verset 6, il dit, par la beauté et la fidélité, on expie l'iniquité. Et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Je dis à sous besoin, alléluia. Vive loin péché. C'est l'esprit de crainte qui pour habiter ou. Faut qu'on soit craintif ou bon Dieu. Sous besoin, détourner du mal. La parole de Dieu dit, la crainte de l'Éternel. C'est par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Ou pas qu'à détourner du mal là avec propre force. Ou pas qu'à camper loin péché à propre force. Ou pas capable. Ça veut dire. Mais bien aimé, virer de bas ça qui mal, mais ça qui relègue l'esprit. En pile mon abdou, yo gen l'esprit. Yo gen l'esprit. Yo gen l'esprit. Parce que l'esprit pour yo, eh bien, c'est fait coquin. L'esprit pour yo, c'est qu'on fait zéro tourner neuf. L'esprit pour yo, c'est qu'on qui j'en pour yo voler, pour yo pas kembe yo. Gen l'esprit pour yo, c'est qu'on qui j'en pour yo faire moun mal, pour yo mettre profit dans papier moun, pour yo bay moun couteau dans dos, pour yo bay moun coute langue. C'est ça gen l'esprit pour yo, yo intelligent. Non fait mal, yo intelligent. Non bay menti, et ça gen l'esprit pour yo. La Bible fait me connaît ça gen l'esprit. Moun qui gen l'esprit, c'est moun qui viré dos bay ça qui mal. La paix bon Dieu avec yo. L'on campe loin chaque mal, l'on va vivre dans la crainte de l'Éternel, c'est ça gen l'esprit. Ça fait gen avantage, gen bienfait, l'on gen crainte pour bon Dieu. Et ça fait la parole de Dieu vindou aujourd'hui à la bon sabon pour toujours, pour moun qui toujours gen créatif pour bon Dieu. Gen avantage mes bien-aimés ou bien bienfait lorsqu'on gen créatif pour bon Dieu. Proverbe chapitre 19, le verset 23, il dit où la crainte de l'Éternel mène à la vie. Alléluia. Et Proverbe toujours mes bien-aimés, chapitre 29, le verset 25, il dit la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La paix bon Dieu avec vous. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Matin, sous besoin de protection, ou pas gagne l'autre côté pour garder. Ou pas besoin de troubler de ça qui a passé autour de vous-même. Ou pas besoin de troubler de ce qui a attendu. Ou pas besoin de troubler, alléluia, de manœuvres qui a fait autour de vous-même. Confiez-vous dans bon Dieu. Gagne créatif, gagne crête pour bon Dieu. Ou à protéger. Car la crainte de l'Éternel augmente les jours. Ou pas besoin de paniquer. Ou pas besoin de peur. Ou pas besoin de battre tout problème pour se attendre. Confiez-vous dans l'Éternel. La parole de Dieu dit, la crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Jodia m'a vint dire, jou méchant compte, attendez. Proverbe 10, 27, jou méchant compte. Jou Belshazzar compte. Joue les bucanets à côté. Les années des méchants sont abrégées. Et ça fait dans Esaïe chapitre 11, les versets 1 à 3, la parole de Dieu pral dit, alléluia. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, et il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Alléluia. Il n'est pas fonctionné avec sa moun vin pote bali. Li pa fonctionne sous base tripotaille. Li pa fonctionne sous base sa yo di. Mais fonctionne sous base fait. La paix bon Dieu avec vous. Il ne jugera point sur l'apparence. Alléluia. Il ne prononcera point sur un oui dire. Et ça, il est un juste juge. Li pa nan pati pri ak personne moun. Ou pa ka korompli. Ou pa ka vin pote ti kado bali. Ou pa ka vin achetil. Ou pa ka vin entre avec petit pot de vin. Ou vin passe en bas tab. Ou vin bali ti bien, ti récompense. Ou vin bali ti kado. Ou kapab wa madouel. Non! Il ne jugera point sur l'apparence.
les années des méchants sont abrégées. Alléluia. Et il ne prononcera point sur un oui dire. Ça fait salmi ça pral dire. Dans Psaume 119, les versets 37 et 38, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Alléluia. Fais-moi voir, fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Je dis à frère Maxime, c'est prier ça. M'invite-toi à faire. Et prier ça, m'inviter à faire. Parle avec papa et dis Seigneur, même Jacques Salmis, détourne les yeux de la vue des choses vaines. Ou pas besoin de garder bagay qui pas mène aucun côté. J'ai pas besoin de bagay qui pas important. J'ai pas besoin de bagay qui pas sens. Bagay qui pas important. Bagay qui pas mène dans le ciel. Bagay qui pas faut joindre. Alléluia, Seigneur. Bagay qui pas faut entrer dans la présence, Seigneur. Dis Seigneur, détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi voir. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse. Et promesse est pour qui mon nié? Pour ceux qui te craignent. La paix bon Dieu avec vous. La paix bon Dieu avec vous. Alléluia. Mais bien aimé, pour qui ça? Pour mon crétif pour mon Dieu. C'est parce que mon crétif pour mon Dieu, c'est mettre parole mon Dieu avant toute bagaille. C'est mettre parole mon Dieu avant toute bagaille. L'on pas de créatif pour mon Dieu, mes bien-aimés, ou fait sauver et ou livrer à vous-même. Ou bien on seul issu. Ou bien on seul issu. Ou te mettre ou à mener. Ou te mettre ou à marcher, à fois marcher. Mais depuis c'est dans mal, jou yo abrégé. Jou yo abrégé, jou yo côté. Depuis c'est dans mauvaise affaire. Depuis c'est dans mauvaise direction. Ou à marcher. A fait ou ap regle. Et pendant ce temps, ou pas de crainte pour mon Dieu. Ou pas de respect pour mon Dieu. Ou a fait sauver et pour ou a bien mené. Ou mettre tant jou yo compte. Parce que ge crétif pour mon Dieu, c'est mettre parole mon Dieu en premier. La parole de Dieu faut qu'on aime, bien aimé. Dans Isaïe chapitre 66, le verset 2, il dit toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. La paix bon Dieu avec vous. Moun bon Dieu gade, moun che bon Dieu sou yo, c'est moun qui est créatif pour parole li. Moun qui est créatif pour parole bon Dieu, che bon Dieu sou yo. Parce que il dit, je porterai mes regards sur celui qui souffre. Ou a souffri, bon Dieu, pour ou. Ou a souffri dans respect. Ou a souffri dans soumission. Ou a souffri dans obéissance. Bon Dieu, ou. Ou gen l'esprit abattu. Ou nan crainte. Ou gen respect pour lui. Li ou. Ou gen crainte pour parole li. Ou gen respect pour parole, bon Dieu, ou. Et mes bien-aimés, nous voyons comment l'orgueil respect pour parole de Dieu. Nous voyons comment l'église primitive, dans Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 31, où est la parole de Dieu faut connaître. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Jodia ou gon l'église tout voum sedo. C'est normal pour l'église pa ka gen puissance jodia. C'est normal pour jodia l'église pa ka grandi. C'est normal pour jodia l'église a marché clopi clopan. Parce que ou genyen jodia la yon communauté ou gen jodia la ou assemblé kap marché jan ou vle. Yo pa marché dans la crainte de Dieu. Yo pa marché dans la crainte du Seigneur. La parole de Dieu faut konnen. L'église primitive, yo t'ap édifié, yo t'ai marché, yo t'ap édifié, yo t'ap marché dans la crainte de Dieu, dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Côté gè crainte pour mon Dieu, Saint-Esprit manifesté. Et ça qu'faut aujourd'hui à l'église, aujourd'hui à là, c'est dans 6 années seulement yo rete.
C'est goumen pour y ap goumen parce que ou gon l'église rebelle. Ou gon groupe de moun kap marcher dans rébellion. Ou gon grand un bon moun ki soi-disant dit y ap loué bon Dieu, mais son bon rebelle parce que son l'église rebelle ko gen là, parce que c'est moun kap fait ça ou vle en dans l'église là. Yo pa marcher dans la crainte et c'est ça qui fait Saint-Esprit absent. L'église pas ka grandi. Ah, c'est la parole de Dieu claire. Yo tap marcher dans la crainte et yo tap grandi grâce à assistance Saint-Esprit. La vie ou mes bien-aimés, li doit caractériser par une crainte révérentielle de mon Dieu. Car sans lui-même, sainteté, c'est-à-dire le processus de sanctification, eh bien, li pas capable mener on à maturité. La paix bon Dieu avec vous. Sans lui-même, ou pas capable river dans dimension statue parfaite là, mes bien-aimés. Ou pas capable river assembler mettre là tout bon vrai. Faut passer par la crainte de Dieu. Faut passer par cette crainte révérentielle. Oui, sou pas passer par lui-même, ou pas capable river à maturation parce que sainteté ou pas capable entrer la donne. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 7 le verset 1er, il dit où ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Amen. Purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Mais ça gain pour faire, mes bien-aimés. Ou doit travailler dans sens ça, mais on va faire ça dans respect. On va faire ça dans crainte révérentielle. On va faire ça dans obéissance, dans soumission. Et comme ça, on va arriver à maturité. Psalmi 112 dans Psaume 103 verset 17, mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour qui monde, pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Je dis à Frère Semio, connais bien ou doit vivre, ou doit être créatif pour bon Dieu. Ou doit être créatif pour bon Dieu. Parce que sans lui-même, processus sanctification, eh bien, il n'est pas capable de mener à maturité. Ou à vivre, ou à fonctionner, mais arriver à maturité, arriver à la stature parfaite, ou pas jamais arriver par là. Parce que sans lui-même, ou pas capable d'arriver là. La vie, je dis, il doit caractériser par crainte ça. Et quelle crainte? Une crainte révérentielle de bon Dieu. Car c'est lui-même, sans lui, sainteté, eh bien, il n'est pas capable. Mais néon, à maturité. Connais bien, frère Semio. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et son alliance leur donne instruction. Psaume 25, 14. Connais bien, tout autant que vous vivez dans crainte, tout autant que vous avez crainte pour bon Dieu, eh bien, bon Dieu a toujours prêté aux présences. Vous avez toujours gagné le bon côté. L'a toujours ami, parce que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Frère Maxime, connais bien. Il y a une bénédiction pour les gens qui toujours sont craintifs pour bon Dieu. Ce n'est pas souvelé, ce n'est pas yon le, mais c'est tout le temps. Parce que c'est son processus, c'est toute une vie. C'est une vie. Ce n'est pas un moment, ce n'est pas une période, ce n'est pas un temps, mais c'est toujours. Ça veut dire c'est toute une vie. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège et que bon Dieu passe avec vous. Amen.